jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Eh bien, salut tout le monde, c'est Bofi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Pokémon Ash Gray. Et pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon Ash Gray, c'est une version hack qui retrace la saison 1 de la véritable histoire de Pokémon avec Sacha de Pourpalette. C'est parti, on se retrouve dans notre petite maison. Alors, une Pokéball, qu'est-ce que c'est? Ethio Pyjama. On va enfin choisir notre premier Pokémon. Alors là, comme dans le dessin animé, il rêve. Bulbizarre, c'est vraiment un Pokémon très simple pour commencer. Après, il rêve de Carapuce. Un bon choix. Et bien sûr, le meilleur, Salamèche. Oh putain, le retard! Non, c'est pas réveillé vite! Vite! Lâchez-moi un Pokémon! Laissez-moi un Pokémon! Comme dans le dessin animé en cours. Laissez-moi un Pokémon, vous en supplie! Je veux un Pokémon! Laissez-moi sans moi, s'il vous plaît! Vite! Oh. Et notre rival Régis! Toujours là pour nous faire chier, le mec, hein! On nous dit que même les losers. Non, même les. Même les vainqueurs peuvent perdre de temps en temps, mais nous, on a l'habitude parce qu'on est un loser. En plus, son grand-père lui a déjà donné un Pokémon. Et nous, on a toujours rien. Allez, vite! Moi, je veux mon Pokémon! Donc, on va se rendre là-haut. Oui! Je veux un Pokémon! Professeur Chen, y a-t-il un Pokémon pour moi, s'il vous plaît? Alors, oh, Sacha, tu t'es décidé enfin à venir, hein? Mais de quoi tu parles? Tu veux un Pokémon? Allez, on va choisir. Moi, je veux Bulbizarre. Tu es à moi. Oh, merci. Y a plus personne. Et oui, un dresseur l'a déjà pris. Bon, alors on va prendre Carapuce. Finalement, je me suis décidé. Je veux mon Carapuce. Ah, mais mince. Quelqu'un est déjà venu le prendre, donc bah, il nous reste Salamèche. On va prendre Salamèche alors, pourquoi pas. Salamèche, pas de problème, tu seras bien. Oh punaise, il n'y a plus de Pokémon. Donc, s'il vous plaît, Professeur Chen, il me faut un Pokémon. Je vous en supplie, il me faut un Pokémon. Du coup, là, il lui dit, bon, j'en ai peut-être un, mais je suis pas sûr. Et là, il lui dit, oui, m'en fous. Moi, je veux un Pokémon. Du coup, on reçoit notre Pikachu. Malheureusement, le gars qui a créé ce jeu n'a pas réussi à faire que Pikachu nous suive. Ce qui est un peu dommage, parce que je pense qu'avec la version jeune, il aurait pu faire un truc. Bon, on va pas changer de nom, en fait. Ouais, on a récupéré Pikachu. Donc on a récupéré des Pokéballs, on a récupéré notre Pokédex, et c'est parti, on y va pour l'aventure. Parle beaucoup le professeur Chen, hein. C'est bon, laisse-moi aller, moi je veux m'en aller avec mon Pikachu. Merde, et c'est moi qui repars. Non, j'ai pas besoin de ton aide. Non, on va accélérer parce que... C'est parti, on y va. On est toujours en pyjama au passage. Et ça, c'est notre maman, Sacha. Finalement, tu as reçu avoir ton Pokémon. On récupère les baskets pour pouvoir courir en appuyant sur le bouton B. On récupère la minimap. Oh, c'est ça ton Pokémon. Mais je croyais qu'il devait rester dans des Pokéballs. Ah,
Dans l'épisode, il électrocute tout le monde. C'est vraiment épique. Allez, c'est parti, on peut enfin partir. Couchez-vous, moi je veux partir à l'aventure. Route 1. Et voilà notre premier Pokémon. Oups. Pikachu, go. Hein? Pikachu, il s'en bat les cacahuètes. Et là, c'est un gros enfoiré, Pikachu, parce que dans l'épisode, il se tape des barres parce que nous, on n'arrive pas à le capturer. Et il se fout de notre gueule. Allez, arrête de faire ta tête de mule, Pikachu. Et là, t'as piaf à bec. Parce que là, nous, on essaye de capturer n'importe quel Pokémon, et du coup, on lui lance une pierre. Et il a pas aimé. Piaf à bec. Pikachu, go. Attaque. Attaque électrique. C'est charge, non? Ou éclair, je sais pas. C'est pas efficace, mais vas-y. Ouais, ça attaque éclair. Thunder Shock. Super efficace. Allez, Pikachu, attaque éclair. Bon, il veut pas nous obéir. On va devoir lui prouver qu'on tient lui. Oui, bien joué. Et là, une horde de piaf à bec va nous attaquer. Parce que... Oh oh. Vite, courons. Vite. Vite, 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 vite. On est pourchassé par les piaf à bec. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Du coup, là, on court, on court, on court. Et là, on ne se jette dans l'eau. Par où ? Parce que oui, il y a la particularité de pouvoir nager dans celui-ci. Ça, c'est cool. Là, on se fait repêcher par Ondine. Hé, petit. Est-ce que ça va ? Je parle pas de toi, je parle de ton Pikachu. Vite, faut que t'ailles acquérir ton Pikachu. Là, il commence un peu voir, il y a l'orage. Ça part en couille. On se fait rattraper par les piaf avec. Et là, t'as Sacha, il nous sort un pitch du futur. Moi, laissez-moi tranquille. Je veux devenir maître Pokémon. Personne va m'arrêter. Je défendrai mon Pikachu. Et là, t'as Pikachu, il commence à nous kiffer. Il envoie une putain d'attaque éclair. Parce qu'il est, il est frappé par la foudre. Et là, il envoie un putain de truc de ouf. Et d'ailleurs, il nous sauve. Là, on est KO. Et il y a quoi? Il y a Oh Oh qui arrive. C'est pas ouf. Oh Oh quoi. En plus, ils ont fait le reflet et tout sur l'eau. Et là, t'as le Pokédex, il dit Pokémon inconnu. Il reste des espèces à découvrir. Du coup, merde, pourquoi j'appuie sur L? Du coup, là, on va courir vite soigner notre Pikachu parce qu'il est vraiment très mal en point. Et là, on se retrouve avec l'infirmière. Quelle infirmière, merde. Avec la policière. Comment elle s'appelle? Jenny. Non, c'est. Je sais plus, c'est Jenny? Joël et. Je ne sais plus. Donc elle va vite nous amener au centre Pokémon. Faudrait que je me refasse aussi les épisodes pour être sûr de ne rien rater. Parce que là, je me suis refait juste au premier épisode. Du coup... Bah, techniquement, c'est déjà le deuxième épisode dans l'aventure. Ah, elle nous a rattrapé. C'est bon, je vais te la rembourser, ta bicyclette. Oh là là. Ce qui est dommage, c'est qu'ils nous suivent pas, qu'il y a Ondine nous suive pas. Mais je kifferais que Nintendo nous sorte un jeu comme ça. Ça serait oufissime. Ça serait vraiment cool. Ou sinon, un jeu qui retrace de Kanto jusqu'à maintenant, quoi. Ça serait encore plus oufissime. Du coup, on a soigné notre Pikachu. Et là, il y a qui arrive? La Team Rocket. Alors vraiment, quand tu les vois la première fois, tu te dis, eux, ils sont balèzes. Et finalement, ils perdent tous leurs skills au fur et à mesure des épisodes. Jesse James, la Team Rocket, plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ça sera la guerre. Oui, la guerre. Miaou, sous la guerre. Du coup, là, on est au centre Pokémon, ils veulent nous voler nos Pokémon.
se passer comme ça. Par contre, Sacha, je le trouve un peu mal fait. Enfin, je trouve que c'est un peu brouillon. Par contre, Jesse et James, ça va. Team Rocket. Allez. Ah bon. Pikachu, go. Bon, elle nous explique comment on joue à Pokémon. Hein. C'est un peu inutile. Attaque éclair, Pikachu! Attaque charge. Oh non, attaque ligotage. Yekia. Pikachu attaque éclair. Hurlement, ça nous baisse nos défenses. Et le ligotage est toujours actif. Donc on va envoyer encore un petit coup d'attaque éclair. On va bien sûr capturer tous les Pokémon que Sacha capture. Enfin, on va essayer. Pikachu ! Oui ! Il monte de niveau 6, c'est cool. Et il apprend Tailwind. Alors c'est donc... c'est rugissement. Je sais même plus. Je crois que c'est rugissement. C'est manquant. Non, on va essayer. Ah non, c'est Minique. Ou Mimique. Je sais plus. C'est purée de pois, ça, non? Pikachu attaque éclair. Et vous, quand vous avez commencé Pokémon, vous avez pris qui? Ouh, ça va être chaud. Non, j'étais pas empoisonné, si? Pénèse, on a perdu contre la Team Rocket, quoi. Ha ha ha, Team Rocket win. On the back, when you win, and the prize money, and your Pokémon go. Mais non, on a perdu contre la Team Rocket. C'est pas possible. C'est pas possible. Team Rocket, no matter what, let's... Et c'est là, ils nous volent notre Pokémon. Fin du game, on a perdu. What? Et là, je crois en fait, t'as la Team Rocket. Ça va vers d'autres cieux. En gros, je crois que Pikachu il s'est énervé, il envoie une putain d'attaque. Donc on va re-soigner notre Pikachu. Et c'est parti, on se retrouve dans la forêt de Javier. Et qu'est-ce qu'on tombe, un petit chenipan ? Niveau 5, on va essayer de le capturer. Attaque éclair. Normalement un deuxième coup devrait être pas mal. Ouh, il fait mal. C'est bon, normalement c'est bon. Attaque sécrétion. On va au calme. Alors notre sac à dos. Pokéball. Ah oui, ça c'est la petite Pokéball qui est cassée. Régis à l'autre, il me semble. Ça c'est quoi? Un checker. Du lait? Allez, on va lancer une Pokéball. Allons le capturer. 1, 2, 3. Oui! Yeah! Notre premier Pokémon! C'est bien comme je le pensais. Je n'y pas. Voilà.
Bon, j'ai un petit peu avancé la team, ils ont pris quelques petits levels, mais on est toujours dans la forêt. Allez, le premier vrai duel commence maintenant. On va voir si mon entraînement a porté ses fruits. Allez, c'est parti, il a qu'un Pokémon. Chenipan, à toi de jouer. Ah, Spico. Là, ils sont déjà niveau 9. Imaginez si je n'avais pas fait... XP mes Pokémon, ça aurait été difficile, même si ça va être très difficile. Parce que poison, franchement, il fait super mal. Ok, là, ça fait pas trop. On va envoyer un petit coup de Springshot. De sécrétion. Moi aussi, je fais de même. Allez, mon Chenipan. Bon, normalement Chenipan évolue déjà. Ah, c'est au niveau 7 en crise acier, mais j'ai préféré l'annuler parce que je veux qu'il évolue en combat. Après je me souviens plus trop comment il évolue Chenipan. Bon, les gars, mais on voit que des sécrétions. Darvenin, ça c'est relou. Allez, oui, bien joué, Chenipan. Ouh, pas mal. Notre première victoire en duel, ça c'est cool. Ah, vas-y, je pense qu'elle va nous soigner. Merci beaucoup. C'est très gentil. Nous sommes de retour. On va te voler ton Pikachu. C'est slow. Allez, c'est parti. Deuxième, j'ai une rose enchantée. Vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. C'est parti. Alors, ma gars. Ça va être assez difficile, je pense, mais on va pouvoir briller. On strike et on va paralyser. Ah bon. Non, on a paralysé un mot. Tico qui ne fait rien du tout. Ah, purée de poids, ça c'est relou. Ah oui, mais ça touche qu'un Pokémon. Bon, je crois que maintenant ça touche tout le monde. Putain, on est déjà empoisonné. Ça c'est pas cool. On va jouer la sécurité, je pense. Le Pikachu est beaucoup plus rapide que ça, c'est cool. Allez, ne sois pas empoisonné, ne sois pas empoisonné, Pika. Putain. On va perdre énormément de points en plus, je pense, avec le poison. Bon, ça va. Allez, ligotage, allez. Je pense que Snogo est plus dangereux qu'un Carbo. C'est cool, vraiment on a de la chance sur ce coup. Ouïouïouïouïouï. Putain, en plus je crois que j'ai plus de potions. Putain, je vais encore perdre mon duel quand tu me requêtes. Non, faut arrêter.
Enfin, faut que le prochain coup il soit paralysé, sinon je suis dans la merde. Ah, elle a fait gros yeux. Non. Non, pourquoi? Putain, j'ai aucune chance, j'ai aucune chance. Bah oui, déjà le poison il va m'achever quoi, punaise. Putain, ma Team Rocket sont trop balèzes. C'est ouf. La vérité, je vais rejoindre leur rang moi. je peux pas rivaliser, putain, deuxième fois quoi. Putain, ils nous mettent la poune. Ils vont me voler mon Pikachu à un moment, c'est sûr. Punaise, putain. Allez, c'est reparti, on y retourne. Ah mais ok, mais putain, en fait c'est ça. La vérité, la prochaine fois on les défonce. C'est parti pour un nouveau duel. Oh, le mec il a un scarabrut quoi. Chaud. Putain, ils sont vachement balèzes hein, les dresseurs. Wow, la difficulté elle est vraiment... vraiment haute. Hein. Damn. On a de la chance sur ce coup. Putain, ça lui fait rien du tout. Oh, ça merde. Non, pas ligotage. Je vais me faire défoncer. Ah oui, on peut même pas switch, bah oui, il est ligoté, bordel. Non, putain. Mais ils sont trop forts. Mais putain, l'enfant du mec, le gars, il a un scarabrut quoi. Wesh, on vient de commencer le jeu, laisse... Ah putain, il prend focus, énergie. S'il me one shot, bah, tu m'étonnes que je prends un niveau. Comment il est balèze, j'ai même failli en prendre deux. Non, mais sur quoi? Ah, ça va, ça j'aime bien. Armure. Je
Oh, pas mal. Quick attack, c'est vive attack, ça, non? Moi, je pense qu'on va oublier. Mais ils sont trop dans l'abus, ces dresseurs. C'est ouf. Ils étaient trop balèzes, quoi. Bon, on va vite guérir nos Pokémon. En ce temps, j'ai le seum, hein. Team Rocket 2 moins 0. Hein. N'importe quoi. Oh, Dardanian. Mais bon, je suis libre. Mais non, mais faut arrêter. Je tombe empoisonné au quatrième coup, ça peut être... Un jeu, mon chéri, pas. Super, bien joué ça. Allez. Quoi? Chenipan est volé. Oui, Chenipan évolue en crise acier. Et le voici, le Rocoups, dans un temps du niveau 7. C'est pas mal. Du coup, on va utiliser ça. Cache éclair. Ça serait con de le tuer. Sachant que je pense que je le one-shot. On va utiliser crise acier. Parce que juste dans mes souvenirs, il utilise Chenipan. Et après, t'as Chenipan qui court partout comme ça parce que t'as Rocoups qui essaie de le bouffer. C'est vraiment épique. Ah, ça va, il va tenir. Pense deux coups et c'est pas mal. Ça, il faut un coup critique, imagine. Voilà, là, ça suffit. Jet de sable. C'est grave. Pokémon Go! Là, avec super sérieux. Rocoups, tu es à nous. Et voilà, on a enfin capturé notre deuxième Pokémon, j'allais dire le premier, mais non. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode de Pokémon Ash Gray vous aura plu. C'était Bofi, même chaîne, même présentateur, et même bonheur. Bye bye.